Donc je suis née à Bastia en 1990. J'ai toujours vécu en Balagne. J'y suis toujours d'ailleurs, à Lumio. J'ai toujours aimé dessiner et je me suis jamais arrêtée en fait. Hein. J'ai commencé la peinture, il me semble que c'était collège-lycée. Et voilà, donc je continue, je continue toujours la peinture, les arts plastiques. En parallèle, j'ai fait des études d'anglais. Et là, je poursuis encore ces études, je fais des recherches en littérature comparée. Livia Acquavi va vivre en Balagne, dans le village de Lumio. Encore étudiante, cette jeune artiste, passionnée de dessin depuis l'enfance, propose une production très prometteuse de toiles inspirées du pop art ou du cubisme, à l'huile ou à l'acrylique, mettant en scène des personnages directement inspirés par son entourage familier. Elle accorde une attention toute particulière au visage et par-dessus tout au regard et à leurs multiples possibilités d'interprétation. J'étais toute petite, mes parents m'avaient m'avaient offert un petit voyage à Venise et c'était déjà au niveau architectural, j'ai eu quand même au niveau esthétique, j'ai eu un choc. Et puis bon, après c'est forcément c'était pas pour une enfant, c'était indirect quoi, mais j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs j'adore les musées, visiter les musées, que ce soit les classiques ou les arts modernes. Et voilà, je pense que voilà, la ville de Venise, ça m'a fait un choc. Originaire de Balagne, Livia Acquaviva est née à Bastia en 1990. Elle poursuit des études de langue et de littérature, tout en pratiquant la peinture en autodidacte. Sa rencontre avec l'artiste plasticienne Katia Stolfi l'engage à poursuivre dans cette voie et lui permet de réaliser sa première exposition. Livia Acquaviva utilise la peinture, mais aussi la photographie et le numérique. On peut notamment découvrir son travail à la Galerie Bell'Arti de Calvi. En fait, c'était assez indirect parce que j'ai jamais voulu montrer, parce que j'ai jamais ressenti le besoin de montrer, parce que je voulais pas vendre, c'était personnel, c'est plutôt intime. Hein. Au final, ça s'est fait un peu par hasard parce que j'ai dans le bureau de mon père, donc il a un commerce, il a exposé mes toiles pour décorer, on veut dire, ses murs, hein, habiller ses murs. Et des gens rentraient parce qu'ils étaient assez curieux, ils voulaient voir les tableaux, etc. Et du coup, j'en ai vendu. Et au final, comment dire, j'ai pas vraiment franchi le pas. C'est plutôt les gens qui sont venus à moi et qui étaient plutôt intéressés. Moi, c'est très instinctif. C'est difficile à décrire parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect très instinctif quand je commence un croquis. Vraiment, il n'y a pas de réflexion, voilà, et c'est vraiment presque automatique. Et après, il y a une recherche de composition. Donc les couleurs. Je dis pas que j'aime tous les courants parce que ce serait mentir, mais j'ai plusieurs influences. Ça peut être bien sûr le pop art, dans certaines toiles c'est flagrant. Et puis le cubisme, j'aime bien déconstruire, etc. Donc après évidemment il y a plein de grands artistes que j'admire et je m'inspire, je puise, mais j'ai pas de maître particulier sur qui. J'ai plein d'influences différentes. Ça peut être Fernand Léger, Picasso, mais c'est tout le monde a ça en tête, quoi. Puis bon, après, le pop art américain aussi. En artiste contemporain, il y en a beaucoup que j'apprécie. Mais voilà, c'est quelque chose, je ne vais pas me lancer dans une toile en disant j'ai envie de ressembler à un tel ou d'essayer de correspondre à un courant particulier. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les regards. Je fais beaucoup de personnages qui se regardent, qui regardent avec des regards différents, l'imbrication de tête, de visage. Et c'est ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les gens perçoivent en fait ces regards et ces images. Pour reproduire, déjà il faut percevoir, il faut sentir, il faut bien distinguer les choses, observer, c'est très très important. Parce que pour reproduire, pour exprimer, il faut assimiler quoi.
Moi, c'est ce qui me plaît. Et puis composer aussi, composer les formes, les imbrications, les volutes, vraiment. Et puis on en voit de partout. En fait, on les trouve partout. Toutes ces formes, on les trouve partout. Quand on regarde, n'importe qui peut voir ça. Et après, il faut avoir envie de les dessiner.